c'était un jardin partagé. La Baleine Verte, c'est vraiment le nom du lieu, mais l'association s'appelle Autour de la Baleine. Pendant longtemps, c'était un lieu qui était ouvert. C'était de la pelouse avec les arbres qui étaient déjà présents. Et en fait, Paris Habitat, le bailleur social, nous a confié la gestion de cette parcelle pour en faire un lieu de vie, donc un jardin partagé. On a des gens qui viennent jardiner et on a aussi des gens qui viennent profiter du lieu, profiter de la terrasse et utiliser des équipements comme le compost, ou simplement créer du lien social entre nous. On compte entre 130 et 140 adhérents environ. On a une cinquantaine de parcelles donc, qui sont occupées par des adhérents jardiniers, donc des personnes qui ont la clé. Et ensuite, on a des membres, des adhérents sympathisants qui viennent juste aux animations, aux rencontres, pour profiter du lieu. Dans le jardin partagé, nous avons des nichoirs pour les oiseaux. Donc on en a un peu partout sur les arbres. On a surtout des petits oiseaux. Nous avons une mare en fait qui est juste à côté de la terrasse. Cette mare en fait elle ne contient pas de bactraciens. Elle a un rôle d'équilibre de l'écosystème. On a des diptyques en fait qui s'occupent de manger les larves de moustiques. On a un gros récupérateur d'eau qui fait à peu près 1000 litres. On a aussi un certain nombre d'abris insectes qui sont un peu partout et on essaye au maximum de mettre du paillage pour créer un espèce d'humus, une couche en fait sur les parties communes où on va pouvoir avoir des insectes qui vont dégrader ces parties et qui vont enrichir la terre. On a un espèce de cabanon où on va stocker une bibliothèque partagée et en fait sur ce toit on a une végétalisation naturelle qui est alimentée avec l'eau de pluie. On a mis en place l'année dernière un abri à chauves-souris sur les conseils de Michel Asquette et en partenariat avec la direction des espaces verts. C'est un lieu qui est plutôt très apprécié. Il est très peu visible de la rue puisqu'il est vraiment à l'intérieur de la résidence. Donc il a un côté un petit peu jardin secret, mais une fois qu'on le connaît, en général on y revient.